Chers amis, chère communauté, bonsoir, Sahab Tolkom, et bienvenue dans ce 18e webinaire de Sahara Tech, votre rendez-vous quotidien ramadanesque. Dans cette émission virtuelle qui vous est destinée et qui a pour but d'élargir vos horizons d'entrepreneuriat, nous avons abordé plusieurs aspects du monde de l'innovation. Et les brillants experts qui se sont succédés ont partagé avec nous leurs réflexions et expériences pour que vous puissiez mieux concevoir vos projets et construire vos propres réflexions. Comme vous avez pu le constater, les sujets qui font l'objet de Sahara Tech sont tous complémentaires. Ils ont été adaptés au contexte douloureux dans lequel nous évoluons en ce moment, le contexte de la pandémie mondiale du Covid-19, cette pandémie qui a mis à genoux l'économie du monde entier. Nous avons pu cependant constater qu'en dépit du fait que cette pandémie a mis à nu les défaillances du système classique avec lequel nous avancions jadis, elle a aussi, elle nous a aussi fait prendre conscience de toute la nécessité de se convertir à une économie tournée vers le savoir et la connaissance. Parmi les segments qui font cette économie de la connaissance, eh ben, on a la logistique, qu'on appelle aussi la supply chain. Comment elle évolue dans cette turpitude économique impactée par une pandémie sans précédent? Eh ben, c'est le sujet que va aborder notre expert, Monsieur Mahdi Omar Ouayesh, qui est l'un des plus grands spécialistes de la logistique ici en Algérie. Il nous a fait l'honneur d'être parmi nous ce soir, et ce, en direct, des locaux de Cap Cowork. Monsieur Mahdi Omar Ouayesh, bonsoir. Et Sahab Tolkom. Bonsoir. Bonsoir, merci. Et Sahab Tolkom à tout le monde. Et effectivement, j'ai choisi de faire cette présentation à partir des locaux de Cap Cowork, d'abord parce qu'il y a de bonnes vibrations, de bonnes ondes et que c'est agréable et qu'on s'y sent à l'aise, aussi parce qu'il y a une très bonne connexion. Donc, j'aimerais, avant de commencer, pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de visiter ou de connaître Cap Cowork, je vais en profiter pour vous faire une petite visite, un petit tour rapide. Voilà, et vous serez toujours les bienvenus aussi dans cet espace physique, autant que vous l'êtes dans cet espace virtuel qui nous réunit aujourd'hui. Donc voilà, globalement, pour vous montrer un peu Cap Cowork, un espace convivial avec des espaces de travail. C'est pas avec mon PC si j'arrive à donner de belles images. De l'autre côté, vous avez des bureaux où vous pouvez être un peu plus intime, et vous pouvez profiter aussi des espaces communs, là par exemple la salle de réunion. Donc encore une fois, marhaba à tous, à Cap Cowork, vous serez les bienvenus, et si, ne serait-ce que pour partager une idée et un café. Hamid n'est pas là, s'il avait été là, il y aurait eu plein de pizzas carrées sur ce comptoir. Mais je pense qu'après l'Aïd, vous pourrez venir et en profiter. Là, permettez-moi de m'installer. Voilà. Après ce petit tour, j'espère que on vous aura donné l'envie de visiter. Venir. Voilà. Et bien. Merci beaucoup pour cette visite, Monsieur Omar Ouayesh. Je sais que beaucoup de nos spectateurs ne connaissent pas, et on les fait un petit peu rentrer dans l'intimité de l'environnement de l'Algeria Startup Challenge. C'est là où cette année, enfin pour l'édition 2020, tout a commencé pour l'Algeria Startup Challenge, et c'est là-bas que toute l'équipe a activé pour pouvoir réaliser et matérialiser tout ce projet-là. Monsieur Mahdi Omar Ouayesh, je vais donc vous présenter, même si beaucoup vous connaissent. Vous êtes un grand fan d'éthique et passionné des nouvelles technologies.
comptez une quinzaine d'années d'expérience dans le domaine du numérique, de la transformation digitale et de la protection des données. Vous êtes ingénieur informaticien de formation et vous avez été tout de suite fasciné par les relations que peuvent entretenir les gens avec leur environnement extérieur et donc vous en avez fait votre passion. Quand vous terminez vos études d'ingénieur à l'université scientifique et technique de Wadi Boumediene à l'USTHB, vous avez déjà 3 ans d'expérience professionnelle à votre effigie et vous activez en tant que freelance et consultant. Vous avez choisi d'intégrer d'abord le service IT d'une grande entreprise nationale pour acquérir de nouvelles connaissances et surtout les bons réflexes en management avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat et de créer votre propre start-up à l'époque déjà. Activiste et idéaliste, vous voulez donner comme vous avez reçu. On sait très bien que vous alliez modestie et gentillesse pour les gens qui vous connaissent. Donc, vous avez co-organisé en 2011 la semaine du web à Alger, qui a été le premier événement dédié au web et à l'entrepreneuriat. L'événement a connu un tel succès en termes d'affluence et de médiatisation, mais aussi, surtout, en termes d'impact sur l'écosystème du web algérien, à l'époque déjà, que des communautés du web et des villes de l'intérieur du pays vous ont sollicité pour organiser des éditions régionales. Les liens que vous avez tissés avec la communauté web dans plusieurs pays ont permis d'organiser conjointement des Web Days à Tunis, Abidjan et Tanger. Donc, vous êtes l'un des instigateurs des Web Days. Vous avez été élu personnalité web de l'année 2013. Vous militez pour le déploiement de mesures d'aide aux startups adaptées aux spécificités de l'économie numérique depuis. En tant qu'initiateur et président du cluster algérien du numérique, vous travaillez étroitement avec le ministère de l'Industrie et des Mines et avec le ministère des Postes et Technologies de l'Information et de la Communication et avec le ministère du Tourisme sur l'accroissement de l'utilisation du numérique dans les entreprises algériennes. Vous êtes également associé par la cellule export du ministère du Commerce à ces travaux. Et vous êtes aussi membre actif du club export du World Trade Center Algeria. Dynamique, vous orientez vers des objectifs, ayant une force de conviction, un esprit de décision avec un esprit d'équipe très développé, vous êtes motivé et vous insufflez, comme on a pu le voir et le constater, au groupe la force nécessaire afin d'atteindre et de dépasser leurs objectifs. Par ailleurs, Monsieur Omar Ouayesh, je pense que votre start-up a été élue la start-up la plus prometteuse du secteur du retail à Vivatech Paris. Ai-je oublié quelque chose dans ce parcours extraordinaire? Non, je ne pense pas que j'aurais mieux fait moi-même, merci. Voilà, effectivement, on a eu la chance à travers des rencontres et à travers des espaces comme ici CapCowork, comme l'a été à un certain moment le Cyberpark de Sidi Abdallah, de faire des rencontres et d'essayer de travailler, faire des choses pour faire évoluer le digital et ses usages en Algérie. Je ne pense pas que vous ayez oublié quelque chose. Il y a même des choses dont vous m'avez rappelé que j'avais oublié moi-même. Eh bien, excellent. Donc, ce soir, Monsieur Omar Ouayesh, vous avez choisi de nous parler de l'impact du COVID-19 sur la logistique mondiale et la logistique en Algérie. Donc, je vous laisse aborder votre sujet et nous faire le plaisir de nous faire votre présentation. On est tout ouïe. Merci beaucoup, merci. Effectivement, j'ai tenu à parler de cette discipline, de cette industrie,
Moi-même, avant d'y travailler, je connaissais très peu. Et comme je pense la plupart des personnes, voilà, la logistique pour moi, c'était camion chargé, maintenant déchargé. J'avais vraiment pas l'impression qu'il y avait une science ou une discipline derrière, alors que c'est finalement une industrie énorme avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités pour des startups algériennes, que ce soit au niveau local, mais aussi au niveau continental et international. Et donc l'idée, c'est à travers de cette présentation, dans une première étape, essayer de vulgariser le concept et d'expliquer quels sont les enjeux de cette supply chain, de cette logistique, et quels sont ses codes et son fonctionnement. Après, j'essaierai d'aborder, on va dire, deux aspects de la logistique globale, la global supply chain, c'est-à-dire la logistique qui est un corollaire de la mondialisation, et on reviendra dans un deuxième temps à une logistique plus locale, la logistique qu'on appelle du last mile, et on essaiera de voir un peu les demandes de la logistique qui sont la logistique pour le retail, c'est-à-dire la distribution traditionnelle, et la logistique pour le e-commerce. Et on va essayer d'aborder la relation entre ces deux disciplines. Donc, s'il y a la possibilité de me permettre de partager. Oui, Écran. exactement. Donc voilà, est-ce que vous confirmez que vous pouvez voir, voilà. C'est bon. Comme je l'ai expliqué, l'idée c'est d'aborder la logistique de manière générale et de voir l'interaction avec l'économie nationale, locale et globale. Je vais commencer par aborder la logistique globale, la logistique internationale, la logistique mondiale, et de voir comment cette industrie, qui est souvent invisible, impacte nos économies et même nos vies de tous les jours. Pour illustrer un peu l'importance de cette supply chain et de cette logistique, je commence par une première carte. Vous allez voir au cours de la présentation, vous allez voir beaucoup de cartes. J'ai essayé un peu d'imager pour bien expliquer les concepts. Toutes les grandes civilisations sont nées autour de ports, que ce soit des ports fluviaux comme le Nil, l'Indus, le Tigre, l'Euphrate, Dejla ou Habart, Dejla ou Forat, ou sur des ports maritimes comme Rome sur la mer Adriatique et la civilisation grecque sur la mer Égée. Beaucoup d'égyptologues vous diront que l'Égypte a construit l'Égypte ancienne a construit les pyramides parce que c'était une grande civilisation, mais c'est beaucoup vous diront aussi que c'est une grande civilisation parce que ils ont construit les pyramides, et ce chantier et la facilité de faire transporter les gens à travers le Nil qui est devenu navigable a fait que des tribus dispersées qui vivaient sur un même territoire se sont unies et ont créé la première civilisation du monde. Aussi, une image de cette importance, de cette relation des populations à la mer. Là, je vous ai mis une carte des plus grandes villes dans le monde, et vous verrez que, à part quelques exceptions, le gros de ces villes sont des ports, et que ce soit fluviaux ou maritimes. Pour des raisons historiques, souvent, les capitales ont été, pour des raisons aussi militaires, rentrées à l'intérieur des terres, mais les capitales économiques des pays sont toujours restées des ports très actifs. Là aussi, à travers cette carte, on voit en quelque sorte la distribution de la population mondiale,
Et un chiffre publié par l'ONU en 2017 parlait d'un phénomène de littoralisation et que 60% de la population mondiale vivait à moins de 100 km de la mer. L'Algérie aussi ne fait pas exception à cette règle. En Algérie, on a une bande côtière qui fait d'est en ouest entre 50 et 100 km. Cette bande côtière ne représente que 1,9% du territoire, mais elle abrite déjà 36% de la population. Et si on élargit, en quelque sorte, cette bande à une bande de 200 km, vous avez 85% de la population algérienne qui vit sur ces 20% de territoire. Donc, l'Algérie a une relation particulière, à la mer. Et juste pour le démontrer, on va faire un petit, quiz, d'une question. Allez, entre ces deux pays, l'Algérie et le Royaume-Uni, lequel est une île et lequel est un pays continental? شكون هو البلد القاري وشكون هو البلد اللي هو جزيرة entre بريطانيا والجزائر؟ Vous allez me dire non seulement c'est clair, mais même si on ne le savait pas, on le voit sur la carte. Effectivement, sur un plan purement géographique, l'Algérie est un pays continental, c'est le plus grand pays d'Afrique et qui a des frontières avec 7 autres pays. Et le Royaume-Uni est effectivement une île. Mais depuis l'inauguration du tunnel sous la Manche, beaucoup de choses ont changé. Une récente étude du cabinet Ernst & Young, j'en profite pour saluer mon ami Fettah Ouzani s'il nous regarde. Cette étude a démontré que pas moins de 25%, le quart des échanges économiques du Royaume-Uni avec l'Europe passe par le tunnel sur la Manche. Pas moins de 12%, 115 milliards d'euros d'échanges à travers ce tunnel pour le Royaume-Uni. Et quand on voit la situation de l'Algérie, les chiffres de l'Algérie, l'Algérie, pour ses relations commerciales, seulement 5% passent par voie terrestre et aérienne. Donc concrètement, le Royaume-Uni est dépendant de la mer à 88% pour ses échanges commerciaux et l'Algérie est dépendante à 95% de ses échanges. Donc, on est sur le plan purement logistique, plus une île que le Royaume-Uni. Et une personne a abordé cette thématique de la relation des Algériens à la mer. Je pense que j'imagine qu'il y a certains d'entre vous qui sont en train de sourire. Et c'est l'humoriste Abdelkader Sektor. C'est un humoriste que j'aime bien, qui a été révélé par YouTube. Et dans un de ses sketchs où il compare le banane et le hindi, je vous conseille d'aller le voir, mais pas tout de suite après le webinar. Pour faire ce sketch, je pense qu'il s'est bien documenté. Et il retrace littéralement toutes les étapes de la chaîne logistique d'une banane à partir des champs du Costa Rica, jusqu'au marché de Rimchi, y compris la chaîne de froid, la douane, etc., pour s'étonner à la fin qu'après tout ce périple, la banane reste plus abordable que le hindi qui est un fruit local. Et c'est là exactement c'est là l'impact important de cette maritimisation et cette mondialisation des échanges. Aujourd'hui, on est globalement des consommateurs qui voulons consommer des produits qui viennent d'un peu partout dans le monde et on n'est souvent pas conscient que derrière ça, il y a une industrie gigantesque et très optimisée. Et on va voir tout de suite comment ça se fait que cette banane qui vient du Costa Rica puisse être aussi abordable.
comment les acteurs de cette industrie arrivent à avoir des coûts de transport aussi bas. Juste avant d'aller vers le prochain slide, on est en train de parler de bananes. Fidzaïen Koulou, souvent, Kamana Arfak Chekhro Bladin Koul Banane. Il faut savoir que si la banane est un produit qu'on importe à grands frais de devise, ce qui est moins connu, c'est que Kharoub Bladi est un intrant très prisé dans l'industrie du chocolat et que pour ce produit, l'Algérie est un grand exportateur. Un petit salut pour la famille, les acteurs qui ont placé ce produit algérien aux quatre coins du monde. Donc voilà, pour revenir aux raisons qui font que l'industrie de la supply chain arrive à avoir des coûts aussi bas. Je citerai encore une fois Abdelkader Secteur qui, dans son clip, disait Ani hayal kifash ykhorjou fiha. Je pense que ki trouh tchiri l'banane, yzidoulk darahem. Donc, pour avoir ces coûts réduits, il y a en gros deux groupes de raisons que je qualifierais de bonnes raisons et on va dire de moins bonnes raisons. La première raison qui font qu'on a une logistique optimisée, c'est l'innovation. L'être humain n'a pas été arrêté d'innover dans ce secteur depuis toujours. Et il y a certaines innovations qui ont été quasiment des tournants de cette industrie. Clairement, l'invention de la roue, je pense que le jour où le premier homme a inventé la roue, ça a un impact certain sur la facilité de transporter des marchandises et des produits. Aussi, ce que vous voyez à côté, c'est un astrolabe. Cet outil a permis aux Arabes de maîtriser les mers pendant plusieurs siècles. C'est un appareil qui permet de se diriger grâce aux étoiles. Et il faut savoir qu'avant cette invention, les marins ne pouvaient naviguer qu'en longeant la côte. C'est-à-dire dès qu'ils n'avaient pas de contact visuel avec la terre ferme, ils étaient perdus. Et pour la petite histoire aussi, sans ce petit objet, là, l'objet que vous voyez, c'est un astrolabe d'un certain Ibrahim Ibn Saïd Salehi qui est exposé au musée de Tolède. Comme je disais, grâce à cet instrument, Christophe Colomb a pu traverser l'Atlantique. Et à un moment où dans ces trois galères, les marins peuvent commencer à prendre peur, pour les rassurer, il leur a montré un sextant en leur disant « Je fais comme les Arabes, ne vous inquiétez pas ». Donc, l'autre grande révolution dans le domaine de la logistique, fut le bateau à vapeur au début de la révolution industrielle. Et on va arriver vers l'innovation la plus récente, qui a eu certainement un énorme impact sur le coût de la tonne transportée, c'est le container. Il faut savoir que grâce au container, la chaîne logistique n'est plus interrompue. Avant l'invention du container, vous aviez des camions qui déchargeaient les marchandises sur les quais, qui étaient montés sur des filets à bord du bateau, qu'on essayait plus ou moins de caser de manière à optimiser l'espace, et on refaisait la même opération au déchargement. L'inventeur américain du container était parti de l'idée de prendre directement une remorque de camion et la mettre dans un bateau. Et ce qu'a permis cette invention, c'est surtout une standardisation, standardisation, et qui a donné naissance à une norme qu'on appelle l'EVP, l'équivalent de 20 pieds. Et à partir de ce moment-là,
une industrie est devenue standardisée. Les marchandises, leur packaging est devenu adapté pour bien tenir dans un container. Les remorques des camions se sont adaptées pour être standardisées et abriter des containers. Les grues, les ports, les bateaux, toute cette industrie à un niveau mondial s'est standardisée et c'est ce qui a permis d'avoir une chaîne de transport ininterrompue et faire des gains énormes sur le coût du transport des marchandises. L'autre raison qui vient pour avoir ces coûts bas de transport, c'est les économies d'échelle. Aujourd'hui, vous avez de très grands centres de traitement de containers. Là, j'ai mis une photo du port de Keppel, du terminal de Keppel à Singapour, et juste dans l'idée pour voir que la taille du port de Singapour est quasiment équivalente à la taille de la ville de Singapour. Ce gigantisme a touché les ports, mais a touché aussi les bateaux. Aujourd'hui, vous avez des super tankers qui peuvent transporter jusqu'à 18 000 containers, 18 000 boîtes d'un coup. Donc voilà pour les raisons globalement positives de l'optimisation du coût des transports. Et on va aussi voir que ça a donné lieu à une industrie très florissante. Juste pour cette carte, avec cette carte, vous pouvez visualiser le nombre de bateaux en circulation constante sur les mers. Le chiffre officiel pour 2018, je pense, était de 93 000 bateaux de commerce circulant sur les mers. Et l'autre facette un peu moins glorieuse de cette optimisation, c'est les pavillons de complaisance. Le pavillon d'un bateau, c'est un peu le matricule, c'est un peu le pays du bateau, de nationalité du bateau. Et certains petits pays, les îles Marshall, les Bahamas, le Panama ou encore l'île de Malte, se sont spécialisés pour être un peu des paradis fiscaux dans lesquels ces bateaux s'enregistrent pour faire d'abord de l'optimisation pour ne pas dire de l'évasion fiscale, mais aussi pour faire et surtout de l'optimisation réglementaire. Il faut savoir qu'entre ces quatre pays, vous avez 75% de la flotte mondiale qui est immatriculée sous pavillon de l'un de ces quatre pays. Et grâce à ça, ces armateurs peuvent faire des économies. Mais surtout fuir leurs responsabilités. D'abord, des responsabilités environnementales. Il faut savoir que les bateaux utilisent souvent un type de fuel bien spécial qui rejette énormément de soufre dans l'atmosphère. Pour donner un chiffre, un bateau comme celui que vous êtes en train de voir sur l'écran rejette dans l'air autant de soufre que 1 million de voitures. Vous imaginez 1 million de voitures. C'est-à-dire que avec seulement 6 bateaux comme celui-là, vous avez des émissions de soufre dans l'air qui sont équivalentes à tout le parc automobile algérien. Aussi, par rapport à tout ce qui est accident et marée noire, c'est très souvent très difficile de poursuivre les armateurs en justice, justement parce qu'ils sont dans ces paradis fiscaux et ces paradis réglementaires qui leur permettent d'avoir une certaine impunité. L'autre aussi impunité qui est offerte par ces pavillons de complaisance, c'est une impunité sur le plan social. Il faut savoir que le métier de marin, c'est l'un des métiers les plus inégalitaires dans le monde. Souvent, sur un même bateau, vous avez des personnes qui ont le même boulot, qui ont les mêmes responsabilités, qui se relayent
en 3 fois 8, mais vous pouvez avoir une personne qui est 3 fois mieux payée qu'une autre juste par rapport à sa nationalité. On n'est pas, pour le même poste, on n'a pas le même salaire si on est danois, norvégien ou philippin ou bien indien. Et c'est la règle, cette réglementation souple des pavillons de complaisance qui permet un peu ce genre de dérive. Il faut savoir que historiquement, les pavillons de complaisance sont nés au début du XXe siècle, en même temps que la naissance des syndicats aux États-Unis. Les premiers armateurs ont commencé à avoir des pavillons de complaisance pour éviter les nouveaux droits et les nouvelles réglementations d'ordre social aux États-Unis. Le pavillon de complaisance a ensuite un peu pris un peu plus d'ampleur à l'époque de l'interdiction de l'alcool aux États-Unis. Et comme c'était des territoires, on va dire, d'autres pays sur les bâtons, on en profitait pour mettre des distilleries d'alcool et pour consommer de l'alcool. Mais la vraie explosion du pavillon de complaisance, ça a été après et pendant la Deuxième Guerre mondiale, où les États-Unis, pour soutenir un peu l'effort de guerre des alliés, surtout anglais, alors qu'ils étaient officiellement neutres, utilisaient le pavillon de complaisance pour pouvoir ravitailler leurs alliés. On a compris qu'à travers plusieurs subterfuges, les armateurs essayaient de faire le maximum d'optimisation. Mais s'ils arrivent à avoir autant de pouvoir, à avoir autant de capacité pour un peu contourner toutes les règles, c'est que chaque armateur est le fer de lance de son pays d'origine pour cette bataille pour le contrôle des mers. Sur ce slide, vous pouvez voir un peu les autoroutes de la mer et à quel point ces autoroutes peuvent passer devant des espaces et laisser des pays à côté. Si on voit par exemple l'Afrique, à part 2-3 pays qui s'en sortent, l'Égypte grâce au canal de Suez, le Maroc grâce à Tanger Med et son emplacement sur le détroit de Gibraltar, et Djibouti qu'on va voir un peu plus dans le détail. Pays sont en quelque sorte aux abords de ces autoroutes, et on voit que les grands ports se concentrent entre trois pôles. Il y a les routes maritimes, c'est surtout la route Europe-Asie, Europe-Amérique et Amérique-Asie. S'il y a bien un pays qui a compris l'intérêt de ces routes, c'est la Chine. Avec le nouveau projet de nouvelle route de la soie, les Chinois sont en train d'investir massivement sur tous les estuaires, tous les détroits, tous les canaux possibles et imaginables, et aussi sur les ports. Juste pour donner un exemple, le premier port au monde est le port chinois de Shanghai, le port de Yangshan, et ce port a pour devise d'être le port numéro un pour le pays numéro un. Et à travers la carte, vous pouvez voir que la Chine a quand même pu prendre contrôle d'un certain nombre de ports, au Sri Lanka, à Djibouti, mais aussi dans le sud de l'Europe, dans le Pirée, en Grèce. Et vous vous rappelez tous sûrement du projet du port de Hamdaniya avec les Chinois, que nous aborderons un peu plus dans le détail dans les prochains slides. En quelque sorte, les Chinois ont une stratégie de contrôle de ces estuaires grâce à des prêts qui souvent sont convertis en concessions de contrôle de ces infrastructures portuaires. Et le cas du Sri Lanka est le même que Djibouti et un peu le même que le Pirée en Grèce. Ça a commencé avec des concessions de 5 ans et
après, on va dire, l'incapacité de ces pays à rembourser leurs dettes, ces concessions sont étendues à des concessions de 99 ans. On va parler un peu plus peut-être dans le détail du port de Djibouti, petit pays africain par sa taille, aride, mais qui jouit d'un emplacement très stratégique sur l'entrée de la mer Rouge. Et ce pays en profite bien. Mais l'idée, c'est de voir, ce qui est intéressant, c'est de voir la stratégie de la Chine pour conquérir ce pays et qu'est-ce que fait la Chine à travers ce pays sur le reste de l'Afrique. Là, je ferai un petit salut à mon ami Mohamed qui se reconnaîtra. La première chose qu'a fait la Chine après avoir fait des investissements colossaux dans le port de Djibouti, c'est d'avoir installé sa première base militaire en dehors des frontières chinoises. Depuis sa création, le Parti communiste chinois avait comme slogan que la Chine n'était pas un pays belliqueux, que la Chine n'installerait jamais une base militaire en dehors de son territoire. On voit bien qu'à partir du moment où l'importance stratégique d'un port est aussi grande, on arrive à faire des concessions sur l'idéologie. Concrètement, qu'est-ce qu'est en train de faire la Chine en Afrique? Sur la première carte, vous voyez le tracé du train offert par les Chinois, offert, c'est peut-être un gros mot, à l'Éthiopie. Aujourd'hui, on définit souvent l'Éthiopie comme la nouvelle Chine. Mais pour beaucoup d'experts, ce n'est pas la nouvelle Chine, c'est la Chine tout court. L'Éthiopie a commencé à devenir un dragon. On sait bien qu'à partir du moment où l'Éthiopie s'est séparée de l'Érythrée, l'Éthiopie n'avait plus de débouchés sur la mer et Djibouti est devenu le seul, on va dire, port de l'Éthiopie. Et à travers son positionnement sur Djibouti, la Chine a pu investir l'Éthiopie à travers un réseau de voies ferrées et qui a pu profiter de la main-d'œuvre très bon marché éthiopienne pour développer de nouvelles centres d'industrie, étant donné que le niveau des salaires en Chine est en train d'évoluer à la hausse. Donc, concrètement, c'est clair qu'il y a un impact positif de ces infrastructures sur la population éthiopienne. Mais ce qui est clair aussi, c'est que le gros bénéficiaire de cette croissance éthiopienne, c'est d'abord les entrepreneurs chinois. On voit un petit peu les principaux ports de Méditerranée et l'idée un peu, c'est d'aller un peu plus dans cette stratégie de conquête. Vous avez un peu sur la droite de l'image le port du Pirée en Grèce qui a été pris en concession par les Chinois grâce encore une fois à une dette chinoise que les Grecs ne pouvaient pas rembourser, mais aussi une tactique un peu connue des Chinois, c'est de faire jouer la concurrence. À un certain moment, pendant les négociations avec la Grèce, la Chine parlait d'un grand projet de port en eau profonde en Égypte, juste en face de la Grèce, en Méditerranée orientale. Et beaucoup considèrent que l'annonce qui avait été faite à une certaine époque du soutien chinois pour bâtir le port du centre de Hamdani en Algérie n'était au fait qu'une stratégie pour mettre la pression pour avoir des concessions plus importantes sur le port d'Algeciras en Espagne. Et ce qu'on peut juste aussi remarquer, c'est que l'Algérie n'est pas assez bien connectée à ces grandes autoroutes maritimes avec l'absence de port en eau profonde.
Et vous verrez que voilà, Al Jazeera, Tanger, Valence assurent le gros de ce qu'on appelle le transbordement pour la destination Algérie. C'est-à-dire que quand l'Algérie importe des marchandises, elle doit d'abord accoster dans un de ses ports pour recharger cette marchandise dans des bateaux plus petits qu'on peut nous accueillir en Algérie. Concrètement, quel est l'impact du Covid-19 sur cette industrie, sur cette filière? C'est clair, on a un impact immédiat qui est la baisse du niveau des marchandises à transporter, mais c'est clair que cet impact est d'ordre conjoncturel. L'économie mondiale ne peut pas rester indéfiniment sans échange, etc. Mais il y a beaucoup d'aspects qui vont peut-être changer. Et ce qu'a pu révéler cette crise, c'est encore une fois la fragilité et la dépendance de beaucoup de pays par rapport à la Chine. Aujourd'hui, vous avez suivi un peu le duel entre les États-Unis et la Chine, un peu l'Europe aussi, et on parle beaucoup de relocalisation, c'est-à-dire déplacer des usines qu'on avait implantées en Chine pour les rapatrier dans certains pays européens pour les industries qui ont assez de valeur ajoutée. Et déplacer les autres industries à moindre valeur ajoutée dans des pays plus proches. Mais il s'est avéré qu'au cours des décennies, la Chine a non seulement bâti une industrie performante, mais aussi une logistique performante. Et finalement, pour prendre l'exemple du secteur textile, qui est un secteur à forte concentration de main-d'œuvre. Quand les entreprises ont voulu quitter la Chine, ils ont compris qu'ils devaient quand même rester pas très loin de la Chine, peut-être au Cambodge, au Vietnam, pour avoir une main-d'œuvre plus abordable, mais quand même pouvoir profiter de la logistique qui a été mise en place par la Chine. Sur cette carte où on montre un peu le niveau des salaires et le coût de la main-d'œuvre dans le monde, vous allez remarquer que la partie en rouge, c'est la partie où les salaires sont le plus abordable dans le monde. Et malgré tout, ce n'est pas dans ces pays-là où ces industries, on va dire gourmandes en main-d'œuvre, délocalisent. Tout simplement parce que ce gain qui est fait par la main-d'œuvre est tout de suite compensé par la cherté de la logistique. Seule, on va dire, exception à ces pays-là, l'Éthiopie, qu'on a vu dans l'exemple précédent. Et vous remarquerez que le gros de ces pays est au sud de l'Algérie. Je pense que l'Algérie aurait pu jouer un très grand rôle en connectant ce grand gisement de main-d'œuvre à l'Europe, qui est un grand importateur de produits textiles, etc. Donc, à travers notre déconnexion à ce réseau mondial, on perd vraiment beaucoup d'opportunités. Pardon, monsieur Amaloyesh, quand vous parlez quand vous parlez de l'Éthiopie, vous aviez dit tout à l'heure que l'Éthiopie c'était plutôt la Chine en Éthiopie. Est-ce que comment dire pourtant, l'Éthiopie n'est pas à proximité des grandes autoroutes de transport maritime. Comment expliquez-vous que la Chine ait pu délocaliser en Éthiopie? Si vous voyez bien sur la carte, l'Éthiopie, même si ce n'est pas un pays maritime, elle est connectée à travers un réseau, entre parenthèses, offert par la Chine au port de Djibouti.
Le port Djibouti, qui est un grand hub maritime grâce à son emplacement à l'entrée de la mer Rouge. D'accord, merci. Et l'idée, c'est que le rôle qu'a joué Djibouti pour l'Éthiopie aurait très bien pu être joué par l'Algérie pour d'autres pays qui n'ont pas accès à la mer et qui sont connus pour avoir, comme vous voyez sur la carte, le Mali, le Niger, le Tchad, etc., pour avoir des coûts de la force de travail très abordables. De la réalité algérienne et connaissant de notre connexion à ces autoroutes, je vais partager avec vous une anecdote. En 2012, j'ai été convié à un forum d'affaires entre l'Algérie et la Corée du Sud qui s'est déroulé à l'hôtel Oracy. Pour ceux qui n'ont pas. Qui ne sont pas algérois ou qui ne connaissent pas l'hôtel Oracy. C'est un hôtel qui surplombe la baie d'Alger et qui donne une vue imprenable sur la ville basse, la Casbah et surtout le port. Donc, je vous ai mis un petit peu cette image pour que vous puissiez imaginer. Et j'ai mis une autre image d'un peu plus haut que l'Oracy pour bien faire comprendre ce que j'avais compris ce jour-là. Donc, pendant ce forum, on avait passé toute la matinée à écouter des fonctionnaires algériens du ministère d'Industrie, du ministère des Commerces, vanter les mérites de la destination Algérie pour des investissements. Et après le déjeuner, le thé a été servi sur la terrasse de l'Oracy. Et à ce moment-là, on avait aperçu avec un ami un Coréen, un Sud-Coréen, qui était un peu absorbé par cette image. Et mon ami, à l'époque, avec une fierté bien de chez nous, s'est approché de lui pour lui dire, voilà, vous voyez comme c'est beau, etc. Le monsieur a esquissé un sourire. Il nous avait dit, oui, c'est beau. Mais ce que je suis en train surtout de voir, c'est le nombre de bateaux en rade. C'est-à-dire que le nombre très important de bateaux, comme vous voyez à l'image, qui sont stationnés en rade. Être en rade, c'est-à-dire c'est un bateau qui arrive au port et qui attend son tour pour pouvoir charger ou décharger. Bon, malheureusement, chez nous, c'est surtout pour décharger. Mais faut savoir qu'un bateau, quand il est en rade, fait payer des pénalités au port et aux importateurs de marchandises, ces pénalités qu'on appelle les surestarrises. C'est-à-dire que cette manque de fluidité dans nos ports, on le paye en monnaie forte, l'Algérie le paye, le consommateur algérien le paye et l'économie algérienne le paye aussi. Et concrètement, ce qu'avait pu dire tous les conférenciers de ce forum autour de l'attractivité de l'Algérie, juste cette image a réussi à décourager un certain nombre d'investisseurs. Après, on a parlé un peu de l'impact négatif un peu du Covid et à quel point il a été révélateur encore plus qu'avant de la dépendance qu'ont certains pays par rapport à la Chine et plus globalement aux dépendances aux pays qui maîtrisent ces autoroutes de la mer. L'autre aspect, c'est que aujourd'hui, pour rassurer un petit peu ses interlocuteurs, leurs interlocuteurs, les opérateurs du shipping investissent massivement dans les nouvelles technologies. Il faut savoir que pour faire des gains de logistique et de gains de temps et d'efficacité, c'est rare où un conteneur est contrôlé dans un port.
On connaît le phénomène en Algérie, mais c'est un phénomène qui est plutôt mondial. Les chiffres officiels parlent de pas plus de 3% des conteneurs qui sont scannés dans les ports pour faire des gains de temps. Et aujourd'hui, particulièrement par rapport à cette pandémie du coronavirus, tous les acteurs commencent à parler d'IoT, de conteneurs connectés, de scanners mobiles, etc. Et cette discipline qui va prendre beaucoup d'essor dans les prochains temps peut être pour réserver beaucoup d'opportunités pour des startups aussi algériennes. On a pu voir pendant les webinaires précédents de très belles présentations sur la technologie IoT et il y a beaucoup d'Algériens qui maîtrisent ces technologies. Donc, voilà, j'ai essayé un petit peu de faire un petit tour par rapport tour sur la question de la logistique mondiale, sur comment elle impactait notre existence, comment elle impactait nos économies, même si c'est une industrie qui est un peu transparente, qui est un peu mal connue, mais qui, à travers ses dérives, permet à des produits de concurrencer d'autres produits à l'autre bout du monde. Et souvent, l'impact, comme on l'a vu, écologique n'est pas du tout pris en compte. Et on se retrouve avec beaucoup d'aberrations. Pour donner juste un exemple, le jean que nous portons fait en moyenne 65 000 km avant d'arriver dans nos étagères. En gros, un jean fait une fois et demie le tour de la Terre. Pourquoi? Parce que le coût du transport est tellement abordable que pour faire une petite économie de quelques centimes sur une couture, on va transporter le jean, se faire coudre dans un autre continent, puis le ramener, se faire teindre dans un autre pays et l'emmener dans un autre pays juste pour lui mettre une étiquette. Donc, aussi, par rapport aux impacts de cette pandémie, beaucoup d'experts parlent d'un mouvement un peu de relocalisation de certaines industries. L'Europe, les pays européens parlent de délocalisation surtout en Europe de l'Est et au Maghreb. Ce qui est clair, c'est que les pays qui vont le plus profiter de ces relocalisations seront les pays qui pourront offrir une logistique optimisée et performante. Et bon, ben, comme vous l'avez vu dans les slides, nous avons quand même un peu de travail à faire pour arriver à être concurrentiel sur ce domaine. Donc, voilà. Maintenant, on va aborder plus une logistique, une supply chain plus locale, la supply chain, ce qu'on appelle du last mile, du dernier kilomètre, et voir comment, à partir du moment où une marchandise arrive sur un port algérien ou africain, etc., comment ça se passe par rapport à d'autres pays dans le monde. Donc, on va commencer par une particularité encore bien chez nous. Malheureusement, vous allez dire que c'est un oiseau de malheur qui n'annonce que des mauvais chiffres. Il faut savoir qu'en moyenne, le coût de la logistique dans un produit est de 15% dans le monde. En Afrique, ce coût monte jusqu'à 40%, c'est-à-dire qu'on va acheter un produit en Afrique. Probablement, le coût de la supply chain représente jusqu'à 40% de ce coût. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est le mode de distribution en Afrique. On va prendre un exemple simple. Si vous êtes, allez, pour reprendre Coca-Cola aux États-Unis, au Canada ou au Royaume-Uni,
Pour pouvoir toucher 100 000 consommateurs, c'est simple, vous prenez un gros camion et vous l'envoyez chez Carrefour, Auchan, Tesco, Walmart, etc. Et c'est bon, vous avez touché vos 100 000 consommateurs. Mais l'Afrique est plutôt caractérisée par un réseau très fragmenté. En Afrique, on est plus en train de faire nos achats chez l'épicier du coin. C'est-à-dire qu'à la différence de Coca Canada ou Coca France, Coca Algérie, pour pouvoir toucher 100 000 consommateurs, elle doit d'abord pouvoir toucher 10 000 petits commerçants qui sont souvent déstructurés, non encore structurés, on va dire. On voit sur la carte que par rapport au taux de pénétration de ce qu'on appelle la distribution structurée, le gros du continent africain est en vert, c'est-à-dire moins de 5%. L'Algérie a été classée à cette époque-là entre 10 et 20, mais voilà, les experts s'accordent à dire que le vrai chiffre en Algérie sont plus entre 7 et 8% de pénétration de la grande distribution. Et si vous voulez, cette flotte que doivent déployer les acteurs de la distribution pour pouvoir faire arriver la marchandise à ce réseau fragmenté de boutiques est responsable du gros du surcoût de la logistique et du gros du surcoût du dernier kilomètre. Mais on va voir dans les prochains slides que ce type qu'en ce moment, cette industrie du retail et cette industrie de la distribution est en train de connaître de grands bouleversements, et ce mode peut avoir certains avantages, on va le voir dans les prochains slides. Aussi, par rapport à ceux qui disent, voilà, ce n'est qu'une étape, les Africains vont se mettre à consommer comme les Européens ou comme les Américains, avec les mêmes pouvoirs d'achat, grâce à en quelque sorte, à une classe moyenne émergente. Ce qui est intéressant, c'est de corréler le taux de pénétration du retail structuré avec le taux de motorisation de la population. On va pas aller dans un hypermarché à quelques kilomètres à la sortie de la ville si on n'est pas véhiculé. Et pour peut-être citer un ami, le docteur Lotfi Belkhir, que vous avez pu voir dans une magnifique présentation précédente, à juste titre, il m'expliquait qu'on est dans des villes qui n'ont pas été conçues pour l'homme, mais qui ont été conçues pour la voiture. Et c'est ce qui fait qu'on a ce gros décalage entre les systèmes de consommation, le mode de consommation entre des pays qui sont à forte motorisation et des pays qui ont une motorisation plus faible. Donc, ce type de distribution va perdurer encore pendant un certain nombre d'années en Algérie et en Afrique. Donc, voilà, cette image peut illustrer un peu la différence du mode de distribution entre un pays où la supply chain est maîtrisée avec une distribution structurée et des pays où la configuration urbaine impose d'autres types de distribution. Pour faire un peu maintenant la présentation, on a parlé de la distribution retail. Là, l'idée, c'est de parler un peu de la distribution e-commerce. Et on va essayer d'aborder un peu les clivages, les visions qu'ont ces deux industries l'une de l'autre et comment cette vision évolue. Donc, un circuit logistique e-commerce,
standard commence par un paiement en ligne. J'ai mis exprès l'image de la CIB pour un peu encourager la SATIM et le géomonétique. Il faut savoir que depuis la crise du Covid, le nombre de paiements électroniques en Algérie a triplé juste pendant ces 3 derniers mois. Donc, le circuit standard, je prends une commande chez le petit commerçant qui souvent sous-traite cette logistique à une plateforme. Seulement quelques acteurs qui ont une certaine taille pour pouvoir assumer eux-mêmes leur logistique. On verra un exemple concret tout de suite après. Et le métier de la logistique pour l'e-commerce consiste à stocker, préparer les commandes, numériser toutes ces étapes et essayer au maximum de personnaliser la relation avec le client acheteur. Maintenant, on va changer d'échelle. On va parler du géant du e-commerce, Amazon. Juste pour vous donner quelques chiffres, le e-commerce en 2020, les estimations des experts parlent d'un chiffre de 850 milliards de dollars. Il faut savoir qu'à la fin de chaque année, tous les bureaux d'études, etc., essayent de faire des prévisions pour l'année prochaine. Au cours du troisième trimestre 2019, beaucoup de prévisions ont été faites pour beaucoup de ces secteurs. Et à cause de cette pandémie, tous les secteurs ont revu en quelque sorte leurs prévisions à la baisse, sauf quelques cas qui sont surtout les valeurs technologiques, c'est clair, Zoom, Webex et les acteurs du e-commerce. Il faut savoir que juste depuis la pandémie du coronavirus, la fortune de Jeff Bezos, le fondateur de Amazon, a cru de 20%. Et voilà, l'idée c'est maintenant on va aborder comment fonctionne cette industrie. On a pu voir comment fonctionnait l'industrie de la logistique pour le retail, c'est-à-dire pour la distribution ordinaire, traditionnelle. Et on va maintenant s'intéresser à la distribution au e-commerce. Ce que vous voyez là sur l'image, c'est ce qu'on appelle des peak towers. Il faut savoir que pour faire des économies sur sa logistique, Amazon a essayé pour agrandir ses dépôts, les a agrandis en hauteur. Concrètement, c'est des allées où des hommes ou des robots utilisent des chariots qui peuvent monter jusqu'à la hauteur d'un immeuble de 5 étages pour pouvoir récupérer les marchandises. L'une des autres innovations d'Amazon, c'est le stockage aléatoire des produits. Ce que vous voyez à droite, c'est un peu un stockage traditionnel, c'est-à-dire qu'on va mettre toutes les boîtes d'un produit côte à côte, comme vous allez dans un hypermarché, où le macaron, tous les paquets de pâtes, après tous les paquets de tomates, etc., etc. L'innovation de Amazon, c'est de mettre un remplissage aléatoire des étagères. Pourquoi? Premièrement, parce qu'ils ont remarqué que en général, quand vous prenez un produit, vous n'allez pas le remplacer tout de suite. Et qu'ils avaient constaté que en moyenne, ils avaient 50% des étagères qui sont vides. Ils ont décidé de ne plus mettre les objets, les produits l'un à côté de l'autre, et c'est-à-dire qu'ils remplissaient le premier espace disponible avec la première marchandise. Et
Par contre, c'est là où intervient l'algorithme qui est la véritable arme d'Amazon pour pouvoir avoir en temps réel, tout le temps, la marchandise, chaque produit le plus proche dans l'étagère le plus proche. Et ce qui permet aussi aux, ce qu'on appelle les pickers, c'est-à-dire les récupérer la marchandise, les étagères, de pouvoir faire des circuits plus courts. C'est-à-dire, au lieu que, on va dire, les chaussures à l'envers de l'étagère et les bonnets sont à l'autre bout du dépôt, vous aurez constamment une chaussure, un bonnet. C'est-à-dire que les circuits de tournée des pickers, c'est-à-dire pour récupérer les produits, sont optimisés. Tout à l'heure, les piqueurs, qu'ils soient robots ou humains, aussi les derniers dépôts, les derniers centres de stockage d'Amazon sont de plus en plus robotisés. Et donc, les personnes, ce n'est plus des personnes qui vont dans les allées pour récupérer les produits, c'est des robots qui se déplacent et qui récupèrent des étagères pour les ramener le produit au picker qui a juste à récupérer le produit et la mettre pour le passer à l'étape emballage. Et il faut savoir que dans un centre comme celui-là, qui peut livrer jusqu'à 1 400 000 produits jour, il faut savoir que Amazon, sur son site, il propose 200 millions de références. Et dans un site de stockage, en moyenne, il a 30 millions de références. Et c'est grâce à ces milliers de petits robots synchronisés comme on va dire, du papier à musique, qu'il arrive à soutenir ces rythmes effrénés. Ce qui est aussi très important, si vous voulez répondre à la demande, c'est que vous devez d'abord avoir, bien sûr, le produit dans les rayons. Et la véritable puissance d'Amazon, c'est le big data et l'intelligence artificielle qui lui permettent de faire des prévisions jusqu'à 14 jours avant les commandes. Ils ont la capacité de prévoir de manière assez précise. Ils sont vraiment connectés à nos cerveaux pour savoir anticiper les produits qui vont être commandés et pouvoir avoir le stock à temps et répondre aux sollicitations de leurs clients. Donc, quand vous voyez ce niveau de technicité des acteurs du e-commerce, vous comprenez qu'il y a un peu un certain sentiment de supériorité par rapport aux acteurs traditionnels. D'ailleurs, même le terme utilisé dans le jargon des e-commerçants ou des e-merchants pour désigner le commerce traditionnel, c'est le brick and mortar, c'est-à-dire Sima ou le brick. C'est un peu condescendant et comme vous le voyez sur cette image, depuis un certain nombre d'années, beaucoup, on va dire, de professionnels du commerce électronique prédisaient la mort du commerce traditionnel, la mort du brick and mortar, et ont un peu écrasé par cette industrie du e-commerce. Et finalement, concrètement, la réalité, c'est que de plus en plus, qui est-ce qui est en train d'ouvrir des magasins physiques? Amazon. Amazon a compris maintenant que l'intérêt d'avoir aussi une présence physique à travers le nouveau comportement d'achat. Les Amazon Go, peut-être vous en avez entendu parler, c'est des boutiques où il n'y a ni caissière, ni vendeur, etc. Tout est fait avec des caméras, des capteurs, et on détecte ce que vous avez pris dans votre sac, et c'est automatiquement déduit de votre compte bancaire.
aussi, vous avez là la première, on va dire, librairie physique d'Amazon à Seattle. Et donc, la conclusion, c'est quoi? C'est que à un moment, il y avait ces deux types de distribution qui étaient un peu adversaires et qui se regardaient plus pour le e-commerce d'une manière un peu condescendante. Et de plus en plus, on commence à se dire que le meilleur moyen de servir un client n'est pas obligatoirement d'aller chercher un produit dans un dépôt à 300 km et d'essayer de trouver le moyen le plus optimisé de le ramener, mais que peut-être la solution la plus rapide, la plus intelligente et la moins chère serait de trouver le produit dans un rayon de quelques kilomètres, c'est-à-dire trouver le produit que vous désirez au plus près de chez vous et le livrer très rapidement. Ce modèle a été exploré, bien sûr, en premier par Uber, d'abord dans le food Uber Eats. Et aujourd'hui, même en Algérie, vous voyez les acteurs qui étaient à la base des VTC, mais aussi des acteurs comme Jumia. Je parle de Yassir, de Temtem, de Easy Relais, qui sont en train d'investir ce secteur. Où les acteurs du e-commerce ont compris qu'ils ne pouvaient pas être en face à face avec les acteurs du retail, mais qu'il y avait une convergence. Et c'est là où la structure de distribution africaine, algérienne, fragmentée, ce modèle qui constituait à la base un handicap, peut être considéré maintenant comme plutôt un avantage, parce que dans ce nouveau mode de convergence retail commerce électronique, plus le réseau de distribution physique est fragmenté, ça veut dire que le produit qui est demandé par un acheteur, vous pouvez le trouver dans un rayon encore plus réduit autour de la localisation de ce client. Et cette crise du coronavirus est venue accélérer cette tendance. C'est-à-dire que c'était déjà une tendance depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire la convergence et le rapprochement retail-e-commerce, mais ça a été fortement accéléré au niveau mondial par cette crise du corona et plus particulièrement en Algérie. C'est-à-dire que depuis un certain nombre d'années, vous voyez peut-être à l'international des sites, des géants de la distribution qui sont en train d'acheter des sites e-commerce ou qui sont en train de s'associer à des sites e-commerce. En Algérie, on a commencé à voir ça, surtout à partir de cette situation de confinement où vous avez des partenariats entre Jumia et Uno, entre Yassir et Uno, etc. Ça a commencé par les grands acteurs et je pense que graduellement ça va arriver aussi à des acteurs plus modestes qui vont pouvoir commencer à pouvoir interagir avec des acteurs du commerce. Pour donner un exemple simple, depuis quelques jours, j'ai mon voisin épicier qui commence à m'appeler pour me dire Arwah fahamni ce qui se passe, e-commerce, etc. Donc, cette population qu'on peut penser un peu hermétique à ce nouveau mode de commercialisation et ces nouveaux modes de consommation prennent finalement conscience de l'intérêt à investir dans ce nouveau domaine. Et si j'espère que cette pandémie va passer le plus vite possible, j'espère que ces réflexes vont rester et vont perdurer. Voilà. Donc voilà, j'ai essayé de faire un petit tour d'horizon assez
rapide et essayer de vulgariser certains concepts. Et là, je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci beaucoup, Monsieur Mehdi Amal-Wayesh, pour cette très très intéressante et brillante présentation. C'est vrai que le monde de la logistique, on entend parler, mais il est un peu méconnu. Aujourd'hui, vous nous avez fait une présentation exhaustive et la présentation et le sujet ont suscité tellement d'intérêt qu'on a une multitude de questions. Donc, ma première question, c'est quelle était la raison majeure du projet port en eau profonde de la part de l'Algérie d'une part et de la Chine d'autre part? Quels avantages comparatifs, notamment quand on connaît la puissance de la proximité de Tanger et de Tanger Med 1 et 2? Vous avez parlé tout à l'heure de la concurrence avec le port espagnol d'Adjalizilès. Est-ce que vous pouvez développer, s'il vous plaît? Si j'ai bien compris, c'est que la première partie de la question, c'était qu'est-ce qui a motivé la décision du port en eau profonde. Exactement, de la part de l'Algérie d'un côté et de la part de la Chine de l'autre. Bon, de la part de l'Algérie, le projet d'avoir un port en eau profonde et de pouvoir réceptionner les gros tankers directement en Algérie, c'est un projet qui n'est pas nouveau, mais malheureusement qui n'a jamais pu voir le jour. Il y a eu des initiatives, même privées, avec un partenariat sud-coréen pour construire un port en eau profonde. C'est clair, comme je l'ai expliqué au début de la présentation, nous sommes un pays quasiment une île, un pays maritime qui est dépendant à 95% de la mer pour ses approvisionnements et de deux, dépendant très largement de ses importations par rapport à ce que nous consommons. Nous exportons pratiquement tout ce que nous consommons. Donc, il est clair que le coût de la logistique se répercute sur tous les produits que nous consommons et nous payons annuellement énormément d'argent pour ces frais de transbordement, c'est-à-dire de transit de la marchandise que nous importons à travers d'autres ports qui ont la capacité d'accueillir ces gros tankers et avec un fort tirant d'eau. Concrètement, pour l'Algérie, c'est clair, c'est une nécessité absolue d'avoir ce type d'infrastructure. Pour la Chine, c'est clair, la Chine est en train de jouer au monopoly sur toutes les infrastructures on va dire maritimes du monde, que ce soit des canaux, que ce soit des ports, que ce soit des estuaires. Et si vous voulez, avec le port du Pirée, la Chine a pu avoir un bon positionnement pour tout ce qui est Méditerranée de l'Ouest, de l'Est, Méditerranée orientale. Maintenant, ils ont besoin d'un autre point d'ancrage en Méditerranée occidentale, c'est-à-dire à l'ouest de la Méditerranée. Ils n'ont pas pu s'implanter au Maroc, leur position. Ils n'ont pas une position très forte. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir idéalement pour eux des positions fortes dans le port espagnol d'Algésiras ou du port de Géoparo en Italie. Et si ils n'arrivent pas à avoir des concessions, avoir un port juste en face en Algérie peut être en quelque sorte
un plan B, mais aussi que beaucoup considèrent que la manœuvre était un peu aussi de mettre la pression sur les ports de sud de l'Europe pour qu'ils donnent des concessions à la Chine pour ne pas voir un port concurrent être érigé de l'autre côté de la Méditerranée. Ça, c'est par rapport aux motivations chinoises. Merci, merci beaucoup, Monsieur Omar Ouayesh. Alors, est-ce que vous avez une idée de la force navale de la Chine? Y a-t-il un classement de puissance navale dans le monde? Y a-t-il un lien avec la puissance de l'opérateur du e-commerce Alibaba? L'opérateur Alibaba, c'est un opérateur qui travaille surtout avec des acteurs multinationaux, UPS, DHL, etc. Je ne pense pas qu'il y ait un lien particulier entre la puissance navale de la Chine et cet acteur en particulier. Par contre, la Chine, c'est clair, je pense qu'au dernier classement, elle est la deuxième force, on va dire, je parle de flotte marchande au monde. Le fleuron chinois, c'est une entreprise qui s'appelle COSCO et qui a des concessions un peu partout dans le monde, qui a pris le contrôle du port du principal port du Sri Lanka, du port de Djibouti, du port du Pirée, mais qui a aussi des intérêts dans d'autres ports, qui a des intérêts, une relation étroite avec l'autorité qui gère le canal de Suez, etc. Donc, si la question est le positionnement de la Chine, ils sont quasiment dans le peloton. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une industrie qui reste quand même un peu floue à cause des pavillons de complaisance. Mais concrètement, il y a des pays qui sont connus pour leur tradition maritime. Vous avez des acteurs comme CMA CGM le français, vous avez Maersk le danois, et aussi les Grecs qui sont connus pour être de bons armateurs. Il faut savoir que si pour notre génération, les stars, c'est les entrepreneurs du digital, et si pour notre génération, on a tous suivi le duel Steve Jobs, Bill Gates, pour peut-être nos parents, peut-être plus nos grands-parents, les people de l'époque, c'était des armateurs, c'était Aristote Onassis, c'était voilà, c'était ce qu'on appelle les Golden Greeks. Et les Grecs sont connus pour leur grande tradition maritime et le fait que la Chine ait pu prendre contrôle du port du Pirée est quelque chose qui a grandement un peu changé la donne mondiale du shipping. Est-ce que, une petite question en continuité de ce que vous êtes en train de dire, la Chine a toujours, historiquement d'ailleurs, prêté beaucoup d'attention à la logistique depuis des siècles et des siècles, et elle a su garder sa position et bien la conforter. Est-ce que vous pensez que son titre, entre parenthèses, entre guillemets, de puissance économique mondiale, vient du fait de sa bonne gestion de sa logistique? C'est clair, c'est clair. Ce n'est pas le seul paramètre, mais c'est clairement un. Pardon? Je vais juste vous demander d'arrêter le partage d'écran, comme ça on va vous voir en plein écran. C'est D'accord. Merci.
Donc voilà, oui, c'est clair que comme je l'ai expliqué, ils ont su très tôt l'importance de la maîtrise de la logistique et leur plan de nouvelle route de la soie, il est clair, c'est un plan pour maîtriser cette autoroute de la mer pour être incontournable. Aujourd'hui, la Chine a compris que sa population était en train de, le niveau de vie était en train de croître, que d'un côté, ils ne peuvent plus baser leur concurrence baser leur puissance sur le coût attractif de leur main-d'œuvre. Aujourd'hui, ils investissent, c'est clair, les technologies, mais ils veulent être, on va dire, prendre le contrôle des routes logistiques, maritimes et même ferroviaires. On a beaucoup parlé du maritime. Il y a un grand projet de ligne de chemin de fer qui relie les grandes villes chinoises aux principales capitales européennes et qui a eu malheureusement comme corollaire en quelque sorte la situation connue par les Ouïghours qui était jusqu'à un passé récent toléré, oublié parce qu'ils étaient au nord. Ouest du pays, dans une zone qui n'avait pas d'importance stratégique. Et depuis que le projet de nouvelle route de la soie a dessiné on va dire l'itinéraire du train qui passe par cette zone, aujourd'hui, malheureusement, cette population connaît une situation assez critique et avec une action de dilution de la population en important des millions de Chinois de l'ethnie Han pour repeupler cette zone Ouïghour. Donc, c'est clair, la Chine place la logistique, le projet de nouvelle route de la soie au centre de sa stratégie. De sa nouvelle stratégie économique. Merci beaucoup pour votre réponse. Maintenant, nous avons un invité surprise qui est là. C'est le docteur Lotfi Belkhed, donc que j'invite à nous rejoindre tout de suite et qui va débattre un petit peu avec vous. Monsieur Lotfi Belkhed, docteur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir. Sahaftorak Mahdi. Ça, je ne sais pas si c'est le moment de dire ça ou avec le décalage ou. D'accord. Direct, ta présentation a définitivement aidé à passer le temps et je te félicite pour cette présentation qui est exceptionnelle et qui est très originale. À mon avis, c'est les informations que tu nous as présentées aujourd'hui. Non seulement elles sont critiques et essentielles à connaître, mais aussi elles sont très mal connues et très mal appréciées. Et c'est vraiment beaucoup de choses, je pense, sont présentées comme des révélations, même pour cette audience qui, je pense, est très éduquée. Et que malgré ça, tu as vraiment contribué à notre, je dirais en anglais, enlightenment, à nous avoir éclairé sur l'importance stratégique de la logistique. Je dirais aussi que non seulement tu es très connaisseur dans le domaine de la logistique, mais tu es aussi très pratiquant. Et tu es un entrepreneur que je sais en fait pratiquer et a réussi à surmonter beaucoup des obstacles, beaucoup d'obstacles qui se présentent dans le domaine de la logistique. Donc ma question en quelque sorte, c'est mis à part les entraves et les obstacles dus à notre gouvernance et à toutes les lois, etc., dont on est bien familier en Algérie, quelles sont les opportunités, à ton avis, qui se présentent aux entrepreneurs algériens à innover, en quelque sorte, dans ce domaine de la logistique, à contourner
des règles du jeu de la Chine, de l'Amazon, etc., et des grands joueurs, et qui en fait valorisent en quelque sorte ces problématiques de logistique qu'on a, de telle sorte de les retourner en quelque sorte à leur avantage et en faire en quelque sorte une opportunité d'innover. Mais aussi une opportunité d'exercer et de créer un élément compétitif contre les grands joueurs de la logistique. Effectivement, ce que j'avais cité au début de ma présentation, la chose qui m'a amené à travailler dans ce domaine, c'est surtout le nombre d'opportunités, que ce soit locales, régionales, internationales, justement, qui sont dues au manque de connaissances. Du grand public de ce secteur. C'est-à-dire que vous êtes dans un secteur où il n'y a pas énormément de concurrence. Ça, déjà au niveau local. Aussi, le fait qu'on est un peu déconnecté des grandes routes ou des grands mouvements un peu internationaux, ça a aussi donné l'opportunité qu'on doit saisir pour créer des champions nationaux. Imaginez si depuis 10 ans on avait eu les géants genre Amazon ou Alibaba, etc. Ça n'aurait laissé aucune chance à des acteurs locaux. Aujourd'hui, on va dire, alhamdoulilah, ils ne sont pas là, mais rien ne dit qu'ils ne vont pas arriver très tôt. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que les entrepreneurs algériens, des startups, doivent investir ce secteur et avoir des positions assez intéressantes pour pouvoir un peu, si ce n'est affronter, mais être en quelque sorte aussi une alternative. Et comme je l'ai expliqué, dans ce nouveau modèle de convergence entre le e-commerce et le retail, c'est en quelque sorte un nouveau mode de fonctionnement dans lequel on a été globalement, on a plus d'expérience que ceux qui ont été habitués à avoir un modèle de consommation centré sur les grands pôles commerciaux où tout le monde va, etc. Dans cette course à la fragmentation du réseau de distribution, on a quand même une avance. J'ai parlé en quelque sorte du modèle africain de distribution versus le modèle qui est considéré comme étant un peu universel, le modèle d'un grand distribution. Mais un modèle aussi intéressant que j'ai eu à étudier, c'est le modèle japonais. Le modèle japonais de distribution est à mi-distance entre le modèle africain et le modèle américain-européen. Pour des raisons un peu culturelles, les Japonais ont de petites maisons, de petits frigos, donc ce qui fait qu'ils ne font pas les courses à l'américaine, etc., et qu'ils achètent le produit qu'ils consomment au jour le jour. Par contre, ce n'est pas un réseau non structuré, c'est des petites boutiques, mais qui appartiennent à des géants, à des multinationales. Donc, c'est un mix que je pense on pourrait méditer. Les modèles, c'est des modèles qu'on peut exporter. Si je veux juste partager l'expérience de ma startup ou pas, à la base, le projet qu'on avait conçu, c'était vraiment pour un besoin algérien, algéro-algérien, et le projet était conçu, étudié par des Algériens pour le marché algérien, et il s'est avéré que la problématique était une problématique africaine et qu'on avait la capacité d'aller exporter cette expérience, ce savoir-faire dans d'autres pays africains. Merci, Madi. Donc, il y a vraiment une opportunité gigantesque au niveau du continent en entier
à exploiter des entrepreneurs innovants dans ce domaine. Et aussi, en général, quand une industrie ou une filière est déjà très optimisée, c'est difficile de trouver un peu des niches d'optimisation où vous pouvez avoir de la valeur ajoutée. Mais quand vous avez une logistique qui est 40% plus chère que ce qui se passe, l'aberration en Algérie, c'est que on a un carburant subventionné sur des autoroutes et des routes subventionnées avec des camions qui sont le plus souvent en 16 ou en 10, c'est-à-dire subventionnés, c'est-à-dire des subventions sur toute la ligne, et avec ça, on arrive à avoir une logistique plus chère que dans d'autres pays. C'est-à-dire que c'est un problème d'organisation où le digital peut apporter énormément, et quand vous allez voir un opérateur économique pour lui dire non, pas ma solution est meilleure, etc., pour lui dire voilà, ma solution va vous économiser tant de temps, tant d'argent, tant, etc. Je pense qu'il sera réceptif. Et j'encourage vraiment les entrepreneurs algériens à s'intéresser à ces problématiques. Et encore une fois, qui ne sont pas proprement algériens et qui ont une profondeur continentale. Aujourd'hui, je suis de près un certain nombre de startups dans la logistique, dans le retail, particulièrement sud-africaine, égyptienne, qui sont en train de réaliser des chiffres à l'export dans les pays limitrophes de leur premier pays, qui sont d'un côté encourageants et d'un autre côté nous font comprendre qu'il faut rapidement réagir pour ne pas rater le dernier wagon de cette révolution. Non, c'est avec ça, Hamad. Avec ça, monsieur le docteur. Merci beaucoup, docteur Lotfi Belkhir. Merci, Mehdi, pour ces réponses. J'ai une question de Nesrine qui dit une telle crise sanitaire mondiale ne peut laisser le monde indifférent penser. Ne peut laisser le monde indifférent. Pensez-vous que la source mondiale principale d'approvisionnement, c'est-à-dire la Chine, se verra remplacée par une multitude de puissances régionales pour diminuer la dépendance d'une part, mais aussi augmenter le pouvoir de négociation avec les fournisseurs? Effectivement, il y aura un mouvement de repositionnement, mais je ne pense pas que ça soit vraiment radical. Je ne pense pas que demain, la Chine va rester une grande puissance exportatrice grâce à l'industrie performante qu'elle a mise en place, mais aussi, comme je l'ai dit, grâce à sa logistique intéressante. Aujourd'hui, peu de pays peuvent se prévoir d'avoir cette supply chain. Quand je dis supply chain, ce n'est pas seulement quand vous implantez une usine dans un pays, ce n'est pas seulement la supply chain pour transporter votre produit de votre centre de production vers votre centre de consommation. C'est aussi toute la logistique pour acheminer tous vos intrants, toute votre matière première vers votre centre de production. Donc, et par rapport à ça, la Chine a pris énormément d'avance. Faut nuancer aussi par rapport au positionnement, même à la vision même de la Chine. La Chine actuellement est en train d'opérer un peu un changement dans sa politique économique, un changement de douceur, où de plus en plus, l'objectif est de générer de la croissance
non pas grâce aux exportations, mais grâce à la demande interne. C'est-à-dire, même si je maintiens que la Chine va rester un grand exportateur mondial, ils sont de plus en plus en train de réorienter leur politique économique pour générer de la croissance autrement que grâce aux exportations. Alors, j'ai une autre question qui dit, peut-on émettre un lien entre le nombre de bateaux en rade des ports algériens et la santé économique du pays? En gros, plus il y a de bateaux en attente de livraison, des containers, et plus le prix du baril est élevé. Le prix du baril. Le prix du baril, oui. Je ne pense Je dirais pas élevé, je dirais qu'il diminue, non? le si on veut parler du prix du pétrole, juste ça me fait rappeler de faire une petite parenthèse. Les petits soucis de cette industrie de la logistique sont un peu compensés par la baisse du prix du pétrole, c'est-à-dire la baisse du fioul qui fait économiser, qui fait faire des économies aux armateurs. Et par contre, quand on parle de bateaux en rade, c'est souvent des bateaux à conteneurs. L'Algérie, bon, pour le cas de l'Algérie, le pétrole, on l'exporte. Donc, on n'a pas ce souci d'avoir des bateaux en rade. Par contre, ce qui est clair, c'est que plus on a des bateaux en rade, plus on paye des frais, ce qu'on appelle les surestarrises, sur les produits qui sont en attente de déchargement sur nos ports. Plus il y a de bateaux en rade, plus le produit que l'Algérien consomme est plus cher au profit des armateurs. Ça, c'est clair et indéniable. On peut bien sûr faire un parallèle entre le nombre de bateaux en rade et l'efficacité d'une économie. C'est-à-dire, plus vous avez des bateaux en rade, plus le produit que la population consomme est cher, et plus les intrants que les industriels utilisent dans leur production est cher aussi. C'est-à-dire que même le produit algérien devient cher à cause de cette, en quelque sorte, inefficacité logistique. J'ai une question qui peut sembler un peu bête. Si on n'a pas de port en eau profonde, donc on ne peut pas avoir de gros armateurs, comment on peut acheminer notre pétrole qu'on exporte et quelles sont les pertes relatives à la non-existence de ce genre de port? Le type de bateau pour transporter des marchandises est un peu différent des bateaux qu'on utilise pour transporter du pétrole ou du gaz, ce qu'on appelle des pétroliers ou plus globalement des vraquiers. Aujourd'hui, l'Algérie, sur ce plan-là, est assez bien lotie avec les deux ports de Skikda et Darzeux. C'est-à-dire que les techniques même ne sont pas les mêmes. Un pétrolier, vous avez des équipements, des sortes de tuyaux qui vont très loin dans la mer et qui peuvent ravitailler un pétrolier ou un méthanier. La chose est plutôt différente quand c'est un bateau, un porte-container, un porte-container. C'est là où on a plus de difficultés parce qu'il doit être assez proche du quai pour permettre à une grue de saisir les containers qu'il y a dessus. Donc, encore une fois, ce n'est pas les mêmes mécanismes quand c'est nous le pays exportateur et quand c'est nous le pays importateur. Merci. Alors, la Corée du Sud, qui n'a aucune ressource naturelle et surtout pas de pétrole, arrive à la quatrième place mondiale en capacité de raffinage de pétrole. L'Algérie, qui est pays exportateur de pétrole,
manque de capacité de raffinage et est obligée d'importer le pétrole raffiné qu'elle exporte en brut. Comment bouleverser cette équation ? Bon, c'est, pour être clair, c'est le résultat de choix économiques, politiques qui souvent ont été pris à la hâte. Souvent, il y a un souci de, planification. Je vais scinder la question en deux parties. Un, pourquoi l'Algérie exporte du pétrole brut alors qu'elle aurait pu exporter des produits raffinés? Et deux, pourquoi l'Algérie importe des produits pétroliers? Faut savoir que l'Algérie est déficitaire en gasoil et excédentaire en essence, super, etc. Quand vous gérez un pays, vous devez gérer les ressources. Et à un certain moment, quand vous décidez de donner des prêts à 0% et une multitude d'aides pour importer des millions de véhicules d'un coup, c'est clair que l'industrie du raffinage, qui n'était pas, on va dire, associée à cette décision, une raffinerie, ça se construit pas en une nuit. Et heureusement, sinon on aurait pris la décision d'importer énormément de voitures, on aurait eu besoin d'énormément de gasoil. Et aujourd'hui, on a pris la décision de mettre un coup de frein à cette industrie. On aura par conséquence un coup de frein dans la consommation de carburant. Aussi, je vais peut-être un peu jeter un pavé dans la mare. On a été, l'Algérie a été victime de mauvaises décisions qui ont été un peu soufflées par des intérêts qui n'étaient pas les nôtres. L'Algérie aurait depuis tout temps eu grand intérêt à développer un parc automobile essence. Un, par rapport au fait qu'on a la ressource, qu'on a la matière première et que c'est plus propre pour notre pays. On a décidé, dans d'autres pays, à un moment, il y a eu une décision d'abandonner le gasoil, mais il fallait... un pays, quand vous prenez une décision comme ça, il vous faut un pays où vous allez écouler vos anciennes voitures gasoil. Et malheureusement, ça a été un certain nombre d'Africains, de pays africains, dont l'Algérie, qui ont été destinataires de ces véhicules polluants. Et au lieu de mettre des dispositions pour décourager ce flux, on a voulu s'adapter en adaptant notre raffinage à ces véhicules polluants. Donc, c'est ce qui a engendré aussi un peu ce problème de non-disponibilité d'un type de carburant, quel que soit, au détriment d'autres types de carburants dont l'Algérie dispose. Et globalement, pour l'autre aspect, effectivement, vous avez un certain nombre de pays qui ne sont pas pays producteurs, mais qui ont investi dans les technologies pour devenir raffineurs. Vous avez cité la Corée du Sud, mais je citerai aussi Singapour, ce qui est une petite île, mais qui est l'un des plus grands raffineurs au monde, alors qu'il ne produit pas de pétrole. Voilà, c'est des politiques économiques qu'on ne bâtit pas en une nuit, c'est des politiques qu'on bâtit sur un certain nombre d'années.
l'Algérie, pendant trop longtemps, a pris, était en quelque sorte à l'aise dans son rôle d'exportateur de brut. Ça rapportait assez pour vivre à l'aise et on s'en est contenté pendant trop longtemps. Ce que je trouve bizarre en fait, c'est que le raffinage du pétrole, c'est une opération de distillation fractionnée. Et lorsqu'on parle de distillation fractionnée, en fait, nous avons à partir du pétrole plusieurs types de carburants. Comment expliquez-vous qu'on ne raffine que du mazout, on ne retire que le mazout et qu'on laisse les autres hydrocarbures que je dirais. Que je qualifierais de plus noble. Tout dépend de la qualité du type de pétrole que vous avez. D'accord. C'est-à-dire que quand on parle de pétrole, on parle de pétrole léger, de pétrole lourd, de pétrole doux, de pétrole où il y a des impuretés qu'on doit enlever. Et pour dire concrètement, techniquement, il y a autant de pétrole qu'il y a de puits dans le monde. Vous n'avez presque pas le même pétrole d'un puits à un autre, mais vous avez des tendances générales. Comme vous l'avez expliqué, la distillation se fait dans ce qu'on appelle des tours de craquage, de tours de cracking, où pour craquer en quelque sorte les molécules de carbone, on utilise de l'électricité. Et puis, plus vous avez un pétrole qui va être plutôt lourd ou plutôt léger, avec les premières opérations de craquage, vous allez obtenir plus de produits nobles, plus de produits moins nobles. C'est-à-dire, c'est plus dépendant de la qualité du brut que de l'opération elle-même. Le même craquage dans les mêmes tours ne va pas donner le même résultat par rapport à des types de brut différents. Et l'Algérie, un brut qui est ce qu'on appelle le Sahara Blend, qui est connu pour être plutôt léger et qui est plus facile à transformer en essence qu'en mazout. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Amal Ouayesh. Alors, il y a une question qui dit, avec le contrôle d'échange, la non-convertibilité du dinar et les limites réglementaires et structurelles aux IDO en Algérie, les startups ont un véritable terrain de jeu sur lequel ils peuvent expérimenter les innovations qui existent ailleurs dans le monde sans véritable concurrence. Avantage comparatif majeur pour notre jeunesse, vers quel secteur devrait-il investir leur projet de start-up? Bon, ma réponse va être clairement orientée par rapport à mon expérience. C'est clair, le domaine de la logistique, tous les domaines sont ouverts à la concurrence. Ce qu'on considère aujourd'hui comme être une protection est quand même à double tranchant. Aujourd'hui, c'est clair, elle est perçue comme une protection. Parce que l'écosystème est naissant, on est heureux de ne pas avoir de concurrence, etc. Et c'est pour ça qu'on considère la réglementation de change que. Mais à partir du moment où on voudra aller à l'international, on voudra être un peu plus grand, on ne va plus percevoir la chose de la même manière. Et dans l'histoire un peu du digital, des startups, à un moment, on disait qu'il y avait des pays qu'il y avait deux pays qui réussissaient dans le domaine des startups du digital. C'était les très grands pays, Chine, Inde, États-Unis, parce qu'ils avaient un marché interne qui était suffisant pour rentabiliser de nouveaux modèles, et les tout petits pays, Norvège, Finlande, et d'autres tout petits pays qui, dès le départ, savaient qu'ils ne pouvaient pas compter sur leur marché interne et qui ont tout de suite vu monde.
Et à côté, vous aviez un certain nombre de pays qui pensaient être intermédiaires et qui finalement ont commencé à se développer à partir du moment où ils considéraient qu'ils étaient des petits pays. Donc, pour dire que le concept de start-up, c'est clair, il faut avoir une vision, un premier focus local, mais si on veut avoir des licornes, il faut avoir une vision plutôt globale. Souvent, quand vous voyez des conférences qui parlent du succès des entrepreneurs américains, souvent dans leur mindset, ils ne cherchent pas des solutions aux problèmes de leur vie. Ils cherchent quasiment des solutions aux problèmes du monde. Et bon, ça peut échouer, mais quand ça réussit, ça donne des Google, des Uber, des Amazon, etc. Donc, oui, c'est une bonne protection au départ pour créer un noyau. Mais si on veut se développer et avoir des champions, il faut avoir une vision qui doit être au moins continentale, si ce n'est mondiale, pour pouvoir avoir des startups pérennes. Merci beaucoup, Monsieur Mehdi Amalouayesh. Alors, le COVID-19 a perturbé la chaîne logistique mondiale. Pensez-vous que cette pandémie a révélé la fragilité du système logistique dans le monde? Fragilité, je ne pense pas. La guerre contre COVID, c'est d'abord une guerre logistique. Je ne sais pas si vous vous souvenez des premiers jours où on entendait d'une cargaison de masques destinée à l'Italie qui a été saisie par la République tchèque. Les services secrets du monde entier étaient dans les aéroports et dans les ports pour voir s'il n'y avait pas un conteneur de masques à prendre. Fragilité. Oui, pour certains, au contraire, positionnement de force pour d'autres. Ceux qui avaient les moyens et une logistique déjà assez bien rodée se sont, au contraire, ont tiré leur épingle du jeu. Mais effectivement, ce que ça a démontré, c'est la trop grande, en quelque sorte, dépendance à certains pays, à certains circuits de distribution. Et ça a montré un peu aussi les limites d'un modèle. Au début de la crise, tous les pays ont commencé à dire « je n'exporte pas, je garde mes produits pour moi-même ». Et je pense que c'est un modèle à méditer, au moins sur ça. Aujourd'hui, c'est les médicaments, et on se souvient aussi de la Russie. Parmi les premières décisions, c'était d'arrêter les exportations de blé. Tout à fait. Et pour un pays comme l'Algérie, qui est un gros importateur, on ne va pas faire de corollaire avec la crise du Smith. qui n'a rien à voir. Mais voilà, ça donne à réfléchir sur l'importance. L'être humain, quand il passe une trop longue période en abondance, etc., il a tendance à oublier que les choses peuvent se retourner rapidement. Et on a pu constater à quel point on était, on va dire, fragile par rapport à nos approvisionnements. Et dépendant surtout. Exactement. Alors, une question de notre ami Houda. How supply chains can embrace new technologies after COVID-19? J'ai donné par exemple le cas des containers connectés. Aujourd'hui, ce qui était le parent pauvre, la première chose qu'on sacrifiait, c'était la traçabilité et le contrôle. Comme je l'ai dit, la moyenne mondiale, c'est à peine 3%
des containers qui sont contrôlés dans les ports. C'est-à-dire qu'ils passent à travers un scanner, qu'on vérifie que c'est bien la marchandise, que c'est pas autre chose, etc. Et même si on parle encore une fois de la Chine, aujourd'hui, pour rassurer ses partenaires commerciaux, mais pas que la Chine, globalement, les gros acteurs de la logistique sont en train de mettre en avant la traçabilité, qu'ils vont investir dans cet axe. Et c'est clair qu'on ne va pas se mettre à contrôler tous les millions de containers. Donc, ils sont à la recherche de nouvelles technologies qui permettent d'avoir plus de traçabilité, plus de contrôle sans enrayer la machine logistique. Là, c'est par rapport à la logistique, on va dire supply chain plutôt globale. Mais si on revient par rapport à une supply chain plus locale, si on parle du e-commerce, quand on parle du e-commerce, la situation du Covid est en même temps une aubaine, mais aussi un défi. Pour donner l'exemple d'Amazon, 13 employés sont en centre de tri de Barcelone, de Madrid sont tombés malades du Covid, il y a eu des grèves, etc. Donc aujourd'hui, l'opportunité, c'est de donner à ces acteurs des solutions qui leur permettent d'exploiter l'aubaine de l'explosion de la demande sur le commerce électronique, mais en donnant des garanties sur la santé et du personnel, mais aussi du client. Donc, je pense que c'est des axes que peuvent exploiter les startups pour un peu prendre leur part de cette nouvelle donne et cette embellie du e-commerce partout dans le monde, y compris en Algérie. Alors, le Covid ne va-t-il pas restructurer la logistique et plus particulièrement rapprocher les zones de production des zones de consommation? Au final, n'allons-nous pas observer une réduction drastique du port maritime au profit du transport routier? Je ne pense pas que ça soit un bouleversement de très grande envergure. Effectivement, depuis déjà, même avant la crise du Covid, vous aviez un peu des altermondialistes ou ce qu'on appelle des locavores, c'est-à-dire des gens qui ne consomment que des produits locaux. Mais je pense que pour une bonne partie de la population du monde, on a trop été habitué à certains produits qui viennent des quatre coins du monde. Effectivement, on peut avoir un mouvement de rétractation, mais je ne pense pas que ce soit un bouleversement significatif, etc. Le maritime aura encore de beaux jours devant lui, même si les barrières douanières vraisemblablement vont augmenter, même si effectivement beaucoup de pays vont essayer d'avoir des circuits d'approvisionnement plus courts, vont essayer de rapprocher les centres de consommation des centres de production. Mais si vous voulez, la mondialisation ne s'est pas faite en un jour. C'est un mouvement qui a pris des décennies. Ça a pris des décennies à la Chine pour devenir l'usine du monde, au Brésil à devenir la ferme du monde. Ça prendra quand même des décennies à aller dans l'autre sens. Ça ne sera pas quelque chose on va dire quelque chose de rapide, qui va arriver dans les années prochaines.
Alors, il y a eu un projet il n'y a pas longtemps. Enfin, on a parlé, on a entendu parler d'un projet d'une autoroute nord-sud qui rallierait la Méditerranée à l'Afrique via l'Algérie. Qu'en est-il quels auraient été les gains pour l'Algérie si cette autoroute venait à voir le jour? Je vais vous illustrer. Alors, un port à 100 km de Séoul, j'ai oublié le nom, traite de millions de containers par an. Grâce à son système de technologie et surtout le guichet unique et aussi le système de gestion des risques, vu la situation géographique favorable de l'Algérie par rapport au continent africain, avec un transsaharien et un chemin de fer transcontinental, donc le chemin de fer par exemple comme celui dont je parlais, ne pensez-vous pas que nous pourrions améliorer notre situation? C'est ce que je voulais mettre en valeur à travers une des cartes. C'est-à-dire que si vous prenez les pays où vous avez le coût de la main-d'œuvre parmi les plus intéressants au monde, c'est des pays qui sont au sud de l'Algérie, par contre, qui sont enclavés. Effectivement, on aurait pu faire de la partie sud, de l'extrême sud de l'Algérie, une plaque tournante, où l'Algérie dispose d'un certain nombre de matières premières. Où ces pays disposent de main-d'œuvre abordable, mais on va dire le maillon faible reste la logistique. Effectivement, si, mais plutôt un chemin de fer qu'une autoroute, il faut savoir qu'en termes de coût, ce qui est le plus intéressant entre ces deux moyens, c'est plus le chemin de fer et moins l'autoroute. Un chemin de fer qui aurait fait la liaison entre le nord et le sud de l'Algérie, mais aussi qui serait accompagné d'un port assez performant. Parce que vous savez, la chaîne d'approvisionnement, c'est comme le corps humain avec les veines. Vous avez des embolies, vous avez tout plein. L'idée, il ne faut pas qu'il y ait des goulots d'étranglement. Si on avait fait une ligne de chemin de fer et qui arriverait à un port inefficace, bon, ça aurait été beau. Mais effectivement, un projet intégré qui relierait l'Europe consommatrice, par exemple, à des pays, on aurait pu faire, comme ce que je disais tout à l'heure, au Mali et au Niger, ce qu'a fait la Chine à Djibouti et en Éthiopie. La position de l'Algérie est intéressante. Il y a aussi le caractère de la météorologie. Quand vous comparez les ports de Méditerranée par rapport à des ports asiatiques qui subissent des tsunamis, des typhons, etc., c'est aussi un paramètre à prendre en compte. Donc oui, effectivement, ça aurait pu être un très beau projet économique que de relier, d'être un peu le lien entre l'Europe et l'Afrique profonde. Il y a eu énormément de projets, on le sait bien, on est en concurrence avec nos voisins de l'Ouest sur quasiment tous ces projets-là. Il y a eu le projet de gazoduc Nigeria-Algérie, il y avait le projet de câble en fibre optique Nigeria-Algérie, il y avait le projet d'autoroute Nigeria-Algérie, il y avait le projet de chemin de fer Nigeria-Algérie, et qui passerait par ces pays-là, malheureusement, on espère que ces projets structurants pourront voir le jour dans un futur qui ne serait pas trop lointain.
Inch'Allah, on espère. Une question de notre ami Karim Brouli qui dit « Je pense que le e-commerce ne démarrera jamais. Que le e-commerce ne démarrera jamais en Algérie si nous n'avons pas de logistique et distribution. Or que tout le monde se focalise sur le e-payment. Qu'en penses-tu ?» Avec ça, Karim, c'est le message. Effectivement, on a fait. Je fais moi-même partie d'une génération d'entrepreneurs dans le numérique qui, au départ, on se disait tous, ça ne marchera jamais en Algérie le e-commerce parce qu'on n'a pas de paiement électronique. Et on était là à se regarder. Avant, jusqu'au jour où on a eu un acteur international qui s'est installé, qui s'est déployé et qui a commencé à bien marcher en proposant du paiement à la livraison. Et bon, heureusement qu'on a été réactif. Certains Algériens ont commencé à entreprendre dans ce domaine. Mais effectivement, on a pu constater que finalement, ce n'était pas tellement un goulot d'étranglement de cette problématique du paiement, mais que la problématique de la logistique était clairement le vrai problème que devront se surmonter ces acteurs. Malheureusement, aujourd'hui, l'écosystème e-commerce est en gestation. On a trop souvent d'acteurs qui s'occupent eux-mêmes de leur logistique. Le gros des e-commerçants algériens s'occupent eux-mêmes de leur logistique, alors que sauf quand on atteint, on va dire, une taille critique, normalement, la mission d'un e-marchand, c'est de vendre, et à côté, il devrait pouvoir compter sur des acteurs performants de la logistique. Ces acteurs ne sont pas encore disponibles en Algérie, même s'il y a des startups qui sont en train de rapidement croître, et j'espère qu'on pourra compter sur des champions logistiques nationaux qui permettront à toute une catégorie de e-marchands de pouvoir s'occuper de l'action de vendre et non plus de l'action d'emballer, d'expédier, etc. Alors, dites-moi, Monsieur Mahdi Omar Ouayesh, est-ce que l'introduction de la technologie dans la chaîne logistique peut-elle réduire les prix des produits à la vente et comment? Normalement, oui. Normal. En gros, c'est clair, l'introduction des nouvelles technologies permet de réduire les coûts logistiques. Quand j'expliquais qu'en moyenne, en Afrique, et en Algérie, la part de la logistique dans un produit est de 40%. Vous comprenez qu'il y a une sacrée marge pour faire des économies. Après, est-ce que ceux qui vont faire des économies vont les répercuter sur le consommateur? Ça, c'est une autre chose. Mais normalement, quand il y a de la concurrence et très souvent, ces gains sur les produits se répercutent sur le prix proposé aux consommateurs. Merci. Quel est le travail et les actions qui devraient être effectuées pour pouvoir rendre le prix du produit local moins cher que le prix du produit importé? Bon, donc plus on mettra de la valeur localement, plus le produit sera compétitif. C'est un tout, il y a des paramètres
fiscaux, il y a des paramètres logistiques. Comme j'ai dit, quand vous avez une logistique chère, faut pas croire que ça va, on va dire, permettre à un produit local d'être plus compétitif qu'un produit importé, sauf dans certains produits qui sont très peu transformés. L'exemple de banane ou handi est assez édifiant. Aujourd'hui, on est dans une économie globalisée où dans les produits où il y a vraiment de la valeur ajoutée, le taux d'intégration locale est souvent réduit. Faut pas croire que c'est une barrière. C'est-à-dire que dès que vous élevez le coût logistique ou les barrières douanières, les premiers à être impactés, c'est les semi-produits, c'est les intrants, et qui vont fragiliser encore plus les producteurs locaux, qui souvent n'ont pas la taille de leurs concurrents internationaux pour pouvoir négocier des prix plus bas, etc., etc. Donc, pour faire que le produit local soit moins cher, c'est clair, faut du soutien à la production, faut libérer des initiatives et l'innovation, la R&D, la R&D, la R&D. Je pense que vous avez cité la Corée du Sud, on a cité beaucoup de pays qui n'ont aucune ressource. Je pense que le principal intrant dans un produit, c'est l'humain qui le fabrique. Plus on va promouvoir les compétences locales qui vont innover, qui vont faire de la recherche pour optimiser que ce soit les circuits ou les process de fabrication, plus on aura des produits compétitifs. Il ne faut pas, je pense, chercher d'autres. Nous avons. Pardon? Voilà. Mehdi, on vous a récupéré. Oui. Mehdi, on vous a Oui. perdu un moment. On vient de vous récupérer. Donc on parlait de l'innovation, de l'intérêt d'être innovant pour pouvoir avoir des produits locaux moins chers. Mais que ça soit clair, le durcissement des barrières douanières ne doit pas toucher la matière première, doit toucher juste le produit fini. Toi, toucher juste le produit fini, mais malheureusement, ce n'est pas aussi facile que ça. L'Algérie n'est pas déconnectée du reste du monde et on ne peut pas compter que sur ce levier des barrières douanières parce que le commerce, c'est un échange. Plus vous allez mettre de barrières, plus on va vous mettre de barrières. Oui, c'est un levier, mais qu'il faut actionner, on va dire, prudemment, mais de manière conjoncturelle. L'idée, c'est que ça ne soit pas ce levier qui soit au centre, de la politique, industrielle. Merci beaucoup, monsieur Amal Ouayesh, pour cette excellente présentation. Merci à J'ai vous. une dernière question. Est-ce que Avec vous pouvez plaisir. nous expliquer ce que fait Koufa? Quelle est la nature de son innovation? Et pourquoi vous avez déployé un POC au Sénégal plutôt qu'en Algérie? D'accord. Pour présenter Koufa de manière simple, aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, le gros du surcoût logistique dans les produits particulièrement à large consommation, c'est sur le dernier kilomètre.
c'est entre ou l'importateur ou le producteur et le dernier maillon de la distribution qui est la boutique. Quand vous avez un réseau aussi fragmenté, il est très difficile à desservir. Pour donner un cas concret, la hantise de ces acteurs déploie des flottes de petits fourgons pour acheminer la marchandise vers le réseau de distribution, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils doivent mettre dans leur camion. Imaginez, on va donner un exemple simple. Vous êtes, allez, je fais une pub pour un producteur local, vous êtes Soumam et vous voulez distribuer des yaourts, des crèmes dessert. Imaginons, on va simplifier, que vous avez un seul produit, que vous faites que de la crème dessert et que vous n'avez que de parfums, vanille et chocolat. Toute votre réflexion, c'est qu'est-ce que je vais mettre dans mon camion le matin en l'envoyant sur le marché. Si je mets 50 chocolats et 50 vanille et que la demande du jour est de 70-30, ça veut dire qu'il y aura 20% de chocolat qui aura fait un tour dans la ville et qui sera revenu, et de la vanille que les gens auront demandé et qu'ils n'auront pas pu avoir parce qu'il n'en restera plus dans le camion. Et le besoin, c'est d'avoir exactement l'information exacte de chaque boutique, quel est son besoin, quotidiennement. Aujourd'hui, ceux qui ont, on va dire, une certaine taille critique arrivent à avoir cette information, mais de manière, on va dire, physique. Concrètement, ils envoient des gens à moto faire le tour des boutiques et on va dire collecter l'information des besoins. C'est très cher et malheureusement pas assez efficace parce que ce type de solution ne peut être déployé que dans des zones qui sont assez ramassées où il y a une certaine densité de population. Et dans plus de 70% du territoire algérien, par exemple, il ne serait pas rentable de faire cette collecte physiquement. Concrètement, Koufa propose une solution qui permet à ces boutiques de communiquer directement avec leurs fournisseurs. Et pour la question pourquoi le Sénégal et pas l'Algérie, Oui. voilà, pour une raison simple, ça viendra, c'est clair, en Algérie, mais on a eu une opportunité en nous associant à une banque internationale qui nous a repérés et qui nous a proposé de nous soutenir dans la phase pilote pour pouvoir, elle, de son côté, utiliser la data qu'on génère pour pouvoir, en quelque sorte, repérer les commerçants solvables et leur proposer des produits financiers. Concrètement, du microcrédit, etc. Ce qui n'est pas possible en Algérie parce que le microcrédit, ce produit-là n'est pas disponible en Algérie. L'autre, intérêt de la banque pour nous soutenir, c'est de pouvoir utiliser l'équipement qu'on propose aux boutiques pour pouvoir accepter du paiement mobile de cette banque-là. Et encore une fois, le paiement mobile n'est pas encore déployé en Algérie. Il n'avait aucun intérêt à nous soutenir pour notre déploiement en Algérie. Mais on espère que ça va changer bientôt. Ce qui est ironique, c'est que le deal avec cette banque porte sur 18 des 19 pays africains où elle est présente. Et je vous laisse deviner le seul pays où on n'a pas pu avoir de deal. Mais bon, encore une fois, faut voir la chose sous un autre angle. C'est un produit algérien développé en Algérie avec des compétences algériennes qui se déploie En Afrique. dans d'autres pays.
Ça fait mal au cœur, mais je suis sûre que cette situation changera rapidement. Grâce à des gens comme vous, grâce à des gens qui ont initié l'Algeria Startup Challenge, grâce à des webinars comme ceux qu'on est en train d'animer ce mois du Ramadan. Merci beaucoup, Monsieur Omalo Ayesh, pour votre magnifique présentation, pour votre thème extraordinaire. La logistique, c'est comme je le disais, un secteur un peu méconnu, mais qui a toute son importance dans les enjeux économiques mondiaux et locaux. Je vous remercie de nous avoir éclairé sur cette thématique, d'avoir élargi les horizons des jeunes porteurs de projets qui auront peut-être des idées d'innovation dans ce secteur-là, qui n'est pas de moindre importance que les autres, que les autres secteurs. Monsieur Mahdi Omalo Ayesh, vous êtes très actif dans l'Algeria Startup Challenge, vous faites partie du comité scientifique, vous avez énormément aidé, vous avez coaché les jeunes non seulement à l'Algeria Startup Challenge mais aussi chez Capcowork, vous êtes toujours là à l'écoute, en train de dispenser des conseils. Merci beaucoup d'être là, merci pour votre présence, merci pour votre temps. Que vous investissez pour l'aide de cette jeunesse et votre contribution au développement économique de notre Algérie. Merci à vous, merci à toi, à toute l'équipe Sahara Algérie Startup Challenge, l'équipe Sahara Tech, vous nous avez, et à tous les intervenants, vous nous avez régalé. Je ne sais pas comment on aurait pu نصبروا على هذا الكونفينمون في رمضان s'il n'y avait pas eu votre dynamisme et votre joie de vivre et vos interventions et vos interlocuteurs et experts qui nous ont régalé pendant toutes les saharas de ce Ramadan. Et vous en faites partie, Mahdi. Alors, pour demain, ne restez à l'écoute. C'est Madame Shafia Abid qui va animer un webinaire sur le change management, un sujet très, très, très intéressant. L'utilité de revoir les systèmes de management pour pouvoir nous mettre au niveau mondial pour pouvoir évoluer aussi. C'est un sujet très intéressant qu'elle va aborder demain, Inch'Allah. Restez à l'écoute, nous avons décidé de continuer Sahara Tech pendant le confinement. Nous ne nous arrêterons que les deux jours de l'Eid. Donc restez branchés, nous allons revenir juste après l'Eid. Pour les Saharat Tassif, pour les soirées d'été. Donc restez avec nous, restez à l'écoute, de belles surprises vont vous attendre. Je vous dis Sahasourek Mahdi, merci de régaler ce soir. et à très très bientôt, Inch'Allah. Bonne soirée. Merci.